Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui c'est parti pour l'épisode 20. On perd pas de temps puisque dans l'épisode 19 on en a perdu suffisamment avec l'émission ratée. Et si je me souviens bien, on avait dit qu'il fallait pas aller dormir parce qu'on avait des missions qui étaient activées que de nuit. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout de ce qui va se passer pour cet épisode et les missions sont malheureusement à côté. D'accord. Soit on passe par le haut. Ça, c'est un chemin que vous connaissez, ou alors on peut passer peut-être par la cour et après le chemin de terre en vélo et y aller. Ça risque de prendre plus de temps. On peut manquer peut-être la mission, mais c'est par où déjà? Non, c'est à droite. J'ai envie d'essayer quand même. On va essayer. Ce qu'il me faudrait surtout, c'est un vélo, parce que dans les chemins de terre, en skate, c'est pas... Bah, coucou! Allez, donne-moi ton vélo! Voilà, merci. Et faut pas que j'oublie que c'est le pad de gauche pour regarder derrière, parce que dans GTA, c'est le pad de droite. Ça change pas grand chose, mais pour ceux qui le savent toujours pas, c'est les mêmes, c'est Rockstar qui ont fait les deux jeux. Mais c'est marrant qu'il y en ait un, ça soit le pad de gauche, et l'autre, ça soit le pad de droite. Enfin bref, on s'en fout. Et là, il y avait une plage, et si je dis pas de bêtises, normalement, on devrait y arriver à temps, je l'espère. Et ouais, l'épisode 20, ouh, la texture. L'épisode 20, et merci encore une fois à tous pour vos messages, et encore une fois, je suis agréablement surpris que malgré le temps que j'ai mis, et ben vous soyez toujours autant motivés par cette aventure. Mais en même temps, c'est pas le jeu y est pour beaucoup, c'est vrai qu'il est, comme certains le disaient dans les commentaires, les graphismes, encore une fois, ça fait pas tout, mais ce jeu, comme je l'avais dit, il a un côté vraiment magique. Et même les musiques, même si c'est pas des musiques que j'écouterais sur un MP3, mais c'est des musiques qui, au début, peuvent surprendre, mais qui collent parfaitement au jeu, comme le clipping, comme la distance d'affichage qui colle parfaitement au jeu. Mais voilà, maintenant, hâte de voir ce que Bully 2, Canis, Canem Edit, oh, et un accident direct, peut nous donner visuellement. J'espère que... Ah, c'était quoi déjà cette mission? Ah non, je croyais que j'avais pas sauvegardé. C'était la même mission avec les toilettes et l'autre dans les toilettes. Ouais, j'espère que... Si le jeu est beaucoup plus beau visuellement, ça sera bien. Mais j'ai peur qu'on perde un petit... côté sympa. C'est pas assez fort pour moi. Romantic. Come on, what's wrong with me? Well, everybody hates you. You're a little twerp. You dress terribly. But apart from that, nothing. Oh, okay. Good. Why don't we play a little game? Come on. By older men, I hope you don't mean Mr. Burton. Hey. Uh-oh. Je l'aime pas trop, elle a une mauvaise... We're going to the Spencer Shipping Warehouse. Elle a une mauvaise influence sur nous. Ouais, j'espère que ça va pas trop dénaturer le jeu, qu'il y aura toujours ce côté qu'on aime bien, que sur... Mince, j'ai affiché plein de trucs. Ah, ça y est, Jimmy, on y est. Là, c'est plutôt une voix de femme. Wait, isn't Tad's last name Spencer? Yup, and now we're gonna play a little game. Whoever smashes up the most stuff wins. J'adore ce jeu. Je fais ça dans ma chambre aussi. Oui! Non! C'est moi qui casse le plus de trucs! Ah, je croyais que c'était des champignons, mais non, c'est des lampes. Ouais, j'adore! Non, ça je peux. Ouh, ça va coûter cher! Ça va coûter cher! C'est vrai que je pourrais utiliser des armes, mais j'aime bien. J'aime bien tout casser avec les pieds. Tiens, prends ça à l'échelle, même si je peux pas la casser. Tiens, le jeu d'échecs! Ah mince, elle est en train de me battre. Je vais peut-être utiliser la manière forte maintenant. Parce que là, j'ai pas envie de perdre face à elle. Non, j'ai plus rien. Pfiou. Allez, tire. On va se mettre en vue comme ça. Ouais, je suis repassé devant. Est-ce que ça se pète? Ouais, ça se pète. Je vais gagner. Ouais, j'espère juste qu'on perdra pas un truc visuellement. Voilà, et au niveau de la bande-son aussi. J'espère juste que ça sera plus fluide, qu'il y aura une meilleure distance d'affichage, et qu'on... Enfin, je sais pas quoi d'autre. Je suis en train de...
tirer sur des trucs qui servent à rien. Tant que c'est pas rouge, c'est que je peux pas le casser. Allez! Et je voulais dire aussi autre chose, c'est que là je filme d'une façon différente. Parce qu'il faut savoir que j'ai mon logiciel de montage est devenu très... très lent. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur un moment. Il est devenu très lent. Et donc j'essaye de m'adapter à un autre logiciel concurrent. Donc c'est pour ça, là, je fais d'une façon différente. Enfin, vous, ça devrait pas changer, je pense. Juste, vous avez dû entendre quand j'ai baissé le son pour mes oreilles. Mais vu que je vous fais plus de vidéos en ce moment, je peux pas me permettre de passer 5 heures à l'étage. À l'étage ? Ouais, quand ça met 5 heures, non, enfin 4 heures d'encodage, c'est un peu trop long. Parce que du coup, je peux pas faire d'autres choses sur l'ordi. Enfin, je suis pas là pour parler de ça. Mais c'est juste, il n'y aura pas trop de changements. Normalement, vous devez bien me voir. Vous devez entendre le son du jeu et le son de ma voix. Oula, elle est rapide. Elle est rapide. Mais rien n'est plus rapide. Jimmy. Il tire plus vite que son ombre. Même si je sais pas s'il a une ombre dans le jeu. Non, c'est moi le premier. Bon, on est de retour. En fait, j'avais envie de rigoler, je voulais lui tirer dessus. Juste, ça a été très bête de ma part. Donc pour voir ce que ça allait faire, mais j'aurais dû... Ouh. Vas-y, je te laisse casser la dernière plante. Ouais, je voulais juste voir ce que ça allait faire, mais j'aurais dû le faire dès le début. Je me doutais pas que ça allait faire échec. Et comme vous pouvez le remarquer, ça m'a gonflé. Alors j'ai fait 3400, je sais pas combien j'avais tout à l'heure, mais j'avais beaucoup moins que ça, je crois. Et... ouais, je me suis vengé. Bon là, avec le peu de temps qui reste, il y a de fortes chances qu'elle ne me rattrape jamais, si... sauf si elle tombe sur un vase hors de prix. Il y a rien que pour me défouler, parce que j'en ai marre. Parce que tu m'as gonflé. Et bah non, il n'y a plus rien à casser. Ah, rip. Oh. Ah. Vite. Vite. Ça doit être un truc à faire, ça. Allez. Allez, vite. Il en reste combien? 9. Aïe. Non. Ah, j'arrive jamais le temps. Ah si, peut-être. Allez. Je sais pas si je suis obligé de rester appuyé longtemps, mais par précaution. Allez. Et voilà. Secret débloqué, masque de quelque chose. J'ai pas eu le temps de regarder. Et on va l'attendre à la sortie, vu que nous avons été beaucoup plus. Oh. Si j'avais su. Il y a intérêt, j'ai gagné. You sure know how to have a good time, Zoe. This is the best date ever. C'est mon meilleur rencard. Ça va, Jimmy? Qu'est-ce que tu fais? Yeah. C'est fini, Jimmy. Jimmy, arrête. C'est fini. Le pauvre. Bon, ce qui a été bien. J'ai vu un truc bouger. Ah non, c'est le cheval qui apparaît. Regardez, est-ce que je peux vous le montrer comme ça? Ouais, non, ça le fait pas. Ce qui a été bien, c'est que j'ai pas été obligé de recharger ma sauvegarde. Il était tard dans le jeu, mais la mission était toujours disponible. Donc ça, c'était déjà une bonne chose pour mon état psychologique. Et maintenant, ah, il va falloir vite aller se coucher. Ah bah, elle est là. Coucou. Il faut que j'aille faire le dodo. Faut que j'aille faire le dodo. Mayday. On va essayer de prendre le bus. Je sais pas s'il y a encore des bus à cette heure-là. Je sais plus ce qui se passe. Je crois qu'on est juste ramené dans notre lit. Oh, il y a un autre. Il y a deux élastiques l'un à côté de l'autre. Je veux le bus.
Il y a un mec qui voulait se battre. Il y a un mec qui voulait me casser la figure. Et pour ceux qui me demandaient dans la dernière vidéo qu'est-ce qui se passe quand on se fait attraper par les pions, et ben on a des corvées. Soit si c'est lors des cours. Oh HS. Hors service. À l'extérieur. Eh hey, mais c'est une bonne chose ça. Je me rappelais pas. Bon bah maintenant je le sais, comme ça vous le savez aussi pour ceux qui se posaient la question. Les pions, si c'est les heures de cours, ils vous emmèneront en faire les cours qui sont obligatoires. Allez, juste pour rire. Voilà. Et s'il n'y a pas de cours ou ça dépend en fait, eh ben ils vous emmèneront faire tondre la pelouse qui est derrière. Et puis voilà. Bon bah on va faire une autre mission. Et encore une fois, ça commence mal, puisque j'avais raté la première mission. Comme quoi, poussez-vous, laissez-moi passer. Ah, on va retourner la voir pour son rendez-vous. Je suis poursuivi. L'évasion. Mais non, mais laissez-moi tranquille. Je veux pas faire de mission annexe. Si un jour on arrive à terminer cette aventure, hey, Miss Phillips. Pourquoi pas faire quelques missions annexes Jimmy. Après. So what really happened to Mr. Galloway? Where did he go? It's a sad story, but sometimes when grown-ups get upset, they respond in the wrong ways and well, small problems get bigger and that's really the thing. C'est nul. Adult. Miss, I'm not five. My mom's been married five times and I've been expelled from seven schools. Yeah. He's a drunk. Stupid man couldn't control himself. Damn him! I love him. But that wretched ogre Hattrick guilt-tripped him into committing himself into the asylum to get dried out. If only someone could get in there and tell him to get out, I'll take care of him. Why don't you go? Because that loveless scumbag Hattrick told him not to let me in. Said I was a bad influence. Don't you worry, miss. I'll get him out. Okay. Meet me near the asylum tonight. I'll be non, there. Non, pas l'asile. And Jimmy? Yes, Miss Phillips? It's Ms., not Miss. Oh, right. All right. Pas l'asile, j'ai des mauvais souvenirs. On a tous des mauvais souvenirs avec l'asile. Ouais, et je disais juste que je filme, enfin ça changera rien. C'est cool, non c'était juste pour vous dire que ça sera plus facile pour moi logiquement, enfin plus rapide. D'accord, aller dans le tunnel, c'est où ça? Première à gauche. Ok, ok. Et ça, j'adorais sur PlayStation 2 à l'époque. C'était juste ces marches parce que ça a la hauteur pile. Mais vraiment la hauteur pile du skate. Donc soit ça passe, soit ça passe, soit ça passe pas. Wait. Zia, je vais te battre. Je vais te battre, toi. Je vais te battre. Je vais te battre. Tiens. Violence avec arme. Y a pas de preuve, c'est pas moi, je vous dis. Non, range l'arme. On va faire le chemin. Coucou. C'est pas moi. Aïe. Ça, c'est pas cool, mec. C'est pas cool du tout. Y avait pas un autre chemin? J'étais persuadé, mais la porte, elle devait s'ouvrir, mais c'était pour une mission, sûrement. Et... Wouhou! Aïe, stoppé net, let's go. Hello. Alors, pas trop dégoûté. Ah non, c'est pas les sportifs de l'autre jour lorsque je leur avais mis de la colle ou je sais plus ce que j'avais mis. Yeah. Quand on lance des briques, ça fait ça. D'accord, je le saurai. Alors... Absentéisme. Ah ouais, c'est vrai qu'on va à l'asile, c'est ça? D'accord, donc il y avait bien un autre chemin.
Ça, c'est ce qu'on avait fait en vélo à côté, là. Près de l'asile. Ok. On va faire ça. Pourvu que je retourne pas dans l'asile. Pourvu que je ne retourne pas dans l'asile. Oh là. Jimmy, I'm glad you made it. Please hurry and try to talk some sense into him. I'll be waiting for him at the asylum gates. Don't worry, miss. Thank you so much. Non. Non. Non, les mecs. Ça avait pas le droit. Je me disais à l'époque. Parce que bon, on l'a fait dans le dernier épisode, c'était. C'était pas exceptionnel. Mais. Je me disais pourquoi ça m'avait laissé tellement un goût amer à l'époque. Parce que l'asile, vous n'y allez pas une fois, mais vous y allez deux fois. D'accord. Donc. Je suis en chaussette. Quoi? Non. On peut me dire pourquoi je suis en chaussette? What are you doing? Let's be friends, but don't anger the watcher. Quoi? C'est mon copain? D'accord. Ah, d'accord, les fous sont de sortie. Regardez, j'ai le pad en avant, je peux pas le mettre plus en avant et c'est les trucs de caméra dont je vous parle qui font que ça bug un peu. Faut que je détruise. Ok, la statue. C'est mon copain, il a dit soyons amis. Et je sais plus ce qu'il m'a dit d'autre. Non, va tout droit, je te dis. Ah, c'est. Regardez, j'ai le pad droit devant et il va à gauche. Donc c'est. Ouais, j'ai compris. Faut juste apprendre par cœur leur. Leur routine de déplacement. Et une fois qu'on l'a appris. Le truc c'est que je peux. Ouais donc toi une fois que t'es passé par là. Est-ce que je peux. Ouais il fait demi-tour. Allez. On va attendre une fois qu'il repasse devant moi et on va faire le truc. Voilà, j'ai enfin. J'ai enfin trouvé une caméra qui me permet de voir où est-ce qu'il est. Et là-bas, il y avait un élastique qu'on a vu à l'entrée. Là, il va refaire demi-tour. Ouais, c'est ça. Et là, il repart. Et là, je peux y aller. Et là, j'ai peur de me mettre à courir. Non, c'est bon. Quoi? Oh-oh. Oh-oh. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que le simple fait de tirer au lance-pierre dessus, ça pouvait marcher. Et là, je me retrouve. Oh, c'est limite. Hein. Concentration. C'est limite. La caméra, s'il te plaît. Non. C'est quoi ce son? Non. Mais je suis buggy. Je peux plus. Non. Bon, je suis de retour. J'ai réussi à sortir du bug. Ça m'a fait un peu stresser, à vrai dire. Et c'était bizarre le son quand on a fait péter le truc. On aurait dit que ça faisait bugger. Ça avait fait bugger le son du jeu. Est-ce que je peux. En courant. On va récupérer l'élastique. Ouais, mon bonhomme, il était resté buggé dans le buisson. Et juste, je voulais dire un truc parce que je parle beaucoup des problèmes de caméra et certains me demandaient d'expliquer un peu mieux en détail. C'est que logiquement, vous avez le pad de droite qui fait la rotation de caméra, donc de gauche à droite. Donc ça, c'est classique, vous allez me dire. Vous avez le pad de gauche. Attendez. Qui fait déplacer Jimmy, votre personnage, sauf que le pad de droite qui fait la caméra fait également déplacer votre personnage quand vous le faites avancer. Regardez, je vais mettre la caméra devant, donc là il va tout droit, et d'un seul coup, il continue d'aller tout droit, la foire. Il continue d'aller tout droit. Enfin bref, ça influence beaucoup,
C'est une impression. Bah, ceux qui ont joué au jeu pourront vous le dire, voilà. Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à demander. Mais c'était. Vu qu'on m'avait demandé d'expliquer un peu mieux l'histoire des problèmes de caméra. Mais une fois qu'on. Quand on joue plusieurs heures au jeu, on s'y habitue, on arrive à éviter ça. Mais quand on. Vu que moi je joue à côté à Dragon Age, GTA V et d'autres jeux où il n'y a pas ce problème-là. Et bah. Revenir dessus, on le ressent tout de suite. Et moi, ouais, bah, je suis obligé de retourner dedans. C'est pas cool ça. C'est vraiment pas cool. Oh, les mêmes passages. Non. Et ça me fait penser énormément à Manhunt. Manhunt. Et j'étais pas le seul. Là, j'ai fait exprès parce que je l'avais dit dans le dernier épisode. C'était exactement au même endroit. Mais j'étais pas le seul, vous aussi, vous m'avez dit dans les commentaires, c'est vrai que l'ambiance était un peu la même. Et pareil pour l'histoire du film Un jour sans fin, je suis parti un peu trop loin, j'ai dit que le mec, donc c'est lorsque je vous avais parlé d'un film où le mec il revivait tout le temps la même journée, la journée de la marmotte, à un moment j'ai dit qu'il tuait des gens, mais non c'est... Mais même je crois que je l'avais dit dans la vidéo, j'ai pas réécouté le passage, mais j'ai dit non, il tue pas des... Enfin je sais plus, faudrait que je redise, je réécoute, mais c'est vrai il tue pas des gens, c'est... J'ai peut-être poussé le bouchon un peu trop loin, mais je crois que je l'avais dit. Donc il y en a qui sont de mauvaise foi. Et lui, regardez, voilà ce qui arrive. Si vous dites des choses que j'ai pas dites, voilà ce qui... c'est moi pas content. Et c'est exactement dans la même cellule. I must be a better person. I must be a better person. I must be a better person. Oh, God! I am pathetic! Hey, Mr. Galloway. Go away! I don't want to have another group therapy session with those people. If I have to pretend to be someone's mother one more time, I'll... Oh. Hi, Jimmy. Salut. What on earth are you doing here? Ms. Phillips sent me. She's really worried about you. Come on, let's get out of here. Oh, I can't right now, Jimmy. I'm late for my regression therapy as it is. It's fantastic. I've discovered I really do hate myself. Hattrick was right. I am a loser. No, you're not. Don't be ridiculous. Come on, we can't let bullies like Mr. Hattrick win. Okay, Jimmy. Okay, Jimmy. Et maintenant, est-ce que ça sera... Est-ce qu'ils vont nous re-téléporter? Ouais. Ça, c'est bien. Salut chérie, regarde comment je suis habillé aujourd'hui. Jimmy, I really appreciate this. Thank you. Me too. I am so happy to have my galley bear back. Galley bear. Succès. Yeah. On a la classe. Parfait. That's all there is to it. Non. Salut. Mais non. Alors, est-ce qu'on va faire... Ça fait combien de temps qu'on a commencé? J'ai même pas regardé. Bon, on a le temps de se faire une autre mission quand même. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre le bus, on va retourner à l'école et on va faire la mission qui est juste ici. Et c'est quoi comme mission? Tricherie. Ah bah ça va plaire à certains, ça. Hein? Je cible personne. Mais si tu t'es senti visé, c'est que je t'ai ciblé. Pas mal, hein. Ça s'appelle de la psychologie inversée. Cherche pas, t'as tort. Non. Je raconte n'importe quoi. N'importe quoi. C'est le bus le plus moche que j'ai vu dans un jeu vidéo. Enfin bref. Tricherie, qu'est-ce qu'on va faire alors? C'est de quel côté déjà? Est-ce que c'est... Ouais, c'est à l'extérieur. J'ai bien fait de pas rentrer dans le bâtiment. On enlève ça. Wouhou! Pour rien. Le film... Non! Laisse-moi partir! Il y a le film de Hitchcock! Les corbeaux! Oh yeah! Let's go! Tricherie! Le film de Hitchcock, c'est pas là où il tire plein de vent. On va me dire encore. Mr. Galloway, should you really be doing that? Oh, Jimmy. No, I suppose not, but life is unfair. You promised Ms. Phillips. Oh, God.
What kind of world do we live in where I get punished for a minor indiscretion and Hattrick gets away with taking bribes from his pupils? He does? Yes. He sells advanced copies of tests to the sons of his rich friends, and nobody says a word. Wait, what rich friends? Well, Darby Harrington, for one. I can't believe he's selling tests. What if I got evidence of him doing this? Then I'd never need to drink again. All right, let me see what I can do. N'importe quoi. J'aurais plus jamais. Ah, faudra qu'on retourne voir notre ami le clochard. Je sais pas si j'ai des nouvelles techniques ancestrales. Le prof, il va pas me courir dessus quand même. C'est le professeur, non? Il serait capable de venir me courir de. Salut les mecs! Ça va, ils veulent pas se battre pour l'instant. Et là, faut que je sorte mon appareil photo. Do you have my cash? All right, I'll pay. You drive a hard bargain. Photo réussi. J'ai eu peur puisqu'il avait rentré. Ok. Alors, le chemin le plus rapide, c'est que je repasse par là. Je peux pas mettre la caméra vers le bas. Par exemple, là, je peux pas regarder. Plus bas, regarde plus bas. C'est qui se bat? Ok, y'a personne. Par contre, là, on risque d'être dans la mouise. Allez, yeah. Ouah, je suis passé. Ouah, yo yo lo. Oui. Non, dégage! Non, dégagez! Laissez-moi! Dégagez! Laissez-moi! Tiens! Après, on est tranquille une fois qu'on a appuyé sur Y. Alors. D'accord. Et. Tu peux rien faire contre moi! Yes, oui! Imbattable! C'est bon, je suis pas chronométré. Et le finish pour ta tête! Voilà! Il est imbattable! Attends, ça fait quoi une boule puante sur toi déjà? Aïe. Non, ils sont tous contre moi. Ok, ok. Vous voulez vous battre comme ça? Ok, ok, ok. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Je suis obligé de me débarrasser d'eux en plus parce que si je le fais pas, je risque d'être dans la mouise après. Allez. Non. Laisse-moi tranquille. Il faut une autre arme. Attendez. Parce que le truc, c'est que j'arrive plus à me battre, moi, dans le jeu. Non. J'en ai eu un, c'est déjà pas mal. Non. Sauf si je fais, si je tire comme ça, je peux me faire mal en même temps. Tiens. Dans les parties intimes. J'ai réussi. Je suis un homme. Ah, c'était chaud. J'ai cru vraiment qu'on allait devoir recommencer la mission, sauf que c'est pas... C'est en haut. Coucou. Non. Je crois qu'il y en a qui veulent se battre encore. Il faut que j'aille ici. I sure hope he shows up. I need to get my grade up. Don't worry, he'll be here soon, I'm sure. Greetings. Did you chaps bring the money? Yeah. Do you have the tests? Photo. Mince. Photo, c'est où, c'est où, c'est où? Ouah. Thanks for the cash, chaps. C'est pas évident, hein. Si je saute, j'ai peur de me faire mal. Allez. Oh, j'ai plus de vie. Faut que je trouve un distributeur. Je suis désolé, je dois tirer des tranches bizarres depuis tout à l'heure, mais... Je risque ma peau là.
J'ai pas envie de recommencer encore. Il me faut juste un distributeur et pas que les... Voilà, c'est ça que je veux pas. Ils me disent d'aller où? Je peux rien faire là, regardez, je vais mourir. Je vais mourir. Si je prends l'échelle, est-ce que j'ai une chance? Non! Oh, vous êtes pas cool les mecs. Vous êtes pas cool du tout. Vraiment pas cool. Non! Oh, et comme par hasard, je rate mon saut. Est-ce que je suis suivi encore? Non, c'est bon. Eh, ils sont vraiment pas cool, il me faut une boisson, un truc là. J'ai rien fait, le prof, le pion. Eux, ils vont m'embêter, hein. Vite, vite, vite. Est-ce que je suis protégé pendant que je fais ça? Non, je suis pas protégé. Allez, monte, 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 je t'en supplie, monte. Oh non, si. Je dois sauter. Tiens, je gratte mes fesses. Hop là, photo réussie. Par contre, ils n'avaient pas l'échange entre les deux mains. Pour des policiers, les preuves, comment ils marchent. En même temps, s'il sort les notes de ses fesses. Et là, j'ai pas. Yeah! J'ai pas intérêt de mourir. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a un qui va vouloir se défendre. Est-ce que. Ouais, mais. Oh. Je peux pas me permettre de faire ça. Il y a l'arbre. Mais si je saute de l'arbre, je peux me faire vraiment mal. On va tenter. On va tenter. Ça me fait un peu peur. Mais là-bas, si je passe par là-bas, en fait, il y aura également les élèves. J'ai peur que la porte s'ouvre pas. Non. Je suis désolé. On va revenir par là. Je vais prendre mes précautions. Fou. Pas facile. Ça joue vraiment avec les nerfs. Ce jeu, c'est un jeu hardcore. Je risque ma peau. Je risque gros. Go! Go! C'est bon, ils en ont après un autre. Go, go, go! Yo! Yo! Non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Yo! Yo! Je fais n'importe quoi, mais je suis trop en stress. On va y arriver. Poussez-vous! Ferme ta braillette, mon pote! You know, he drinks on school grounds. Think of the children, Dr. Gravelstitch. Drinking? I will terminate the employment contract of any staff member found corrupting children. Morality is the most important lesson we can teach the youth. Is that so? Then you might want to look at these. What's this? It's that fat, evil hypocrite selling test answers to rich kids. Fire him. What? You took pictures? And to think I trusted you, Hattrick? You're fired. But I... Bye-bye, fatty. And as for you, Galloway, there better not be anything to that drinking business. Ah, pardon. Et ouais, la classe. Regardez, il évite. Avec ses chaussettes. Et voilà. En plus, il n'y a plus de mission à faire, donc c'est parfait. On va aller sauvegarder. Et ça sera tout. Pousse-toi. Et c'est là, il me donne un coup de... Non. Il me donne un coup de poing, je meurs et tout. Ça serait horrible. Ça sera tout pour l'épisode 20. Et maintenant, dans quelques jours pour l'épisode 21. Non, c'était une blague. Je sais que des fois, elles sont pas très drôles, hein, mais... Non, ça va.
Juste un peu déçu d'être retourné dans l'asile. Mais ça va. Ça a été. Confirmé l'écrasement. J'écrase la sauvegarde. Écrasement réussi. Donc encore une fois, bah, merci à vous tous hein, pour vos messages. C'est vrai que c'est super motivant de voir que ça vous plaît. Malgré l'erreur que j'ai fait de mettre 2 ans à reprendre. Mais ça me fait plaisir de voir que ça vous fait plaisir, que je prenne du plaisir et qu'on soit content. Voilà. Et dites-moi si vous avez une petite différence au niveau de l'enregistrement. Mais bon, je pense que pour vous, c'est juste un essai là. Ça se trouve, je le referai pas par la suite. Je verrai bien. Donc, ça sera à vous de me le dire si vous avez senti, je sais pas, le son, il était peut-être moins bien, la vidéo, la qualité. Enfin, la façon dont j'ai joué ou dont je parlais, ça changera pas du tout, c'est juste au niveau du montage. Donc, ça serait sympa de me dire si vous avez pas vu de différence, tant mieux. Ça serait le mieux, voilà. Donc, moi je vous dis à plus tard et. Salut! Allez, à bientôt tout le monde. Ciao! Whee!